Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé aussi un très beau mois de septembre et que vous entamez votre mois d'octobre de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du lion, pardon. Alors bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous vivez présentement dans votre vie. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Toujours aussi, avec ma petite clé de la destinée pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que si une situation ou une autre décrite ici ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses à n'importe quel moment de votre vie. Alors voilà, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers lions qui sont en couple. Je vais poursuivre un peu plus tard avec le tirage pour les célibataires. Donc, vous avez les lions. Un très beau tirage, ceux qui sont en couple, c'est certain que ça ne concorde pas avec tout le monde, hein? Je vous le répète encore une fois, tous les lions ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, mais ceux qui écoutent et qui se sentent concernés par ce tirage, bien c'est pour vous, le reste laissez-le aller et les autres, comme je vous dis, allez voir les vidéos sur votre ascendant et votre signe lunaire. Alors pour vous mes chers Lion en couple, on vous dit ici que votre partenaire actuel, c'est l'amour véritable. C'est voici l'amour de votre vie. Voyez-vous la belle carte du message des anges de l'amour. Alors, la personne avec laquelle vous êtes présentement, c'est votre amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Alors, prenez-en soin. Je suis certaine aussi que cette personne-là prend soin de vous parce que si c'est l'homme ou la femme de votre vie, bien, c'est que cette personne-là prend bien soin de vous. Le deuxième message des anges de l'amour, c'est la carte isolement. Alors, isolement, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du reste du monde. Alors, vous avez besoin peut-être de vous retrouver ensemble, vous deux. Et la troisième carte, bien, c'est la carte lune de miel. Alors, mes chers, profitez, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, mes chers lions, je vous dirais que pour plusieurs d'entre vous, ça sera peut-être une belle surprise. On nous parle de lune de miel ici. Vous êtes peut-être déjà mariés ou bien vous êtes en union de fait. En tout cas, vous êtes en couple avec cette personne. Et cette lune de miel qui s'en vient, c'est peut-être une belle surprise pour vous. Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Donc, pour l'amour véritable, on a le 7 de denier, on a le 10 de coupe, on a le roi de coupe. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que probablement que vous avez attendu très longtemps pour avoir cette personne-là dans votre vie. Ou bien, vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé ensemble pour pouvoir vivre cet amour-là. Hein? Parce que quand même, le 7 de denier, c'est comme si c'est quelqu'un qui est dans l'attente de quelque chose, hein? qui attend des résultats, qui a semé quelque chose et qui attend le fruit de ses semences, hein? De son labeur aussi, du travail qui a été fait. Alors, peut-être que ça n'a pas toujours été facile pour vous. Ça n'a pas nécessairement été facile pour être ensemble. Peut-être que vous aviez des contraintes, peut-être que vous aviez de la famille qui était, par exemple, ce sont des exemples simplement que je donne, qui était contre votre union, par exemple, et vous avez travaillé fort pour faire en sorte que cet amour-là soit possible. Alors, on dit que on vous dit ici que votre labeur, le travail que vous avez mis, l'investissement que vous avez mis dans cette relation-là, aujourd'hui, elle est en train de vous payer. Elle est en train de vous donner les fruits de ce travail, d'accord? Pour le mieux.
Vous avez le 10 de coupe ici. Alors, on voit vraiment que c'est un amour véritable, un amour partagé, un amour dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Vous avez la totale, vous avez l'amour, la joie, le bonheur, la famille, l'amour partagé, hein, l'amour réciproque. Le 10 de coupe, c'est une carte magnifique. On voit ici un couple avec des enfants, avec la maison, avec le beau terrain. Hein. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous rêviez, vous l'avez ici. Où vous allez l'avoir très bientôt. Alors, c'est une magnifique carte dont vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail, tous les deux. Avec le roi de coupe aussi, on nous parle d'amour inconditionnel, d'amour sincère, d'amour franc. Même si parfois, là, avec le roi de coupe, parfois on nous dit que ça peut être un personnage qui a de la difficulté à exprimer ses émotions, mais en tout cas, ce personnage-là vous montre l'amour qu'il ou elle a pour vous. D'accord? Alors, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui va vous donner tout son amour, un amour inconditionnel, alors vous pouvez vous fier là-dessus. D'accord? Donc, un très bel amour ici, sincère en tout cas. C'est quelqu'un qui va vous protéger, hein? Qui a un instinct de protecteur ou protectrice, peu importe que ce soit une femme ou un homme. Bien, vous savez que vous allez être protégé par cette personne-là. Et s'il s'agit de vous, vous allez probablement aussi apporter beaucoup de protection à l'amour de votre vie. Maintenant, on nous parle d'isolement. Donc, on vous dit que vous avez probablement besoin de vous déconnecter du monde. Parce qu'après avoir investi autant d'efforts pour être ensemble, après avoir travaillé fort, peut-être vous avez attendu, hein, parce que le 7 de denier, c'est quand même une carte qui nous parle de semer des graines pour en récolter éventuellement. Les fruits, alors ça implique un temps d'attente, ça implique de la patience. Donc vous avez patienté pour quelque chose que vous avez maintenant et peut-être que vous avez tellement mis d'efforts maintenant, c'est le temps d'aller vous reposer un peu, mais avec votre partenaire. Alors isolement ici, ça vient vous dire, c'est le temps pour vous deux de vous déconnecter un peu du monde, de passer du temps ensemble parce que vous le méritez. Vous avez tellement travaillé que vous méritez ce petit bonheur, hein, cette connexion que vous pouvez avoir ensemble, juste vous deux ensemble. Alors justement, on a le 9 de denier, besoin de solitude, de vous retrouver juste tous les deux ensemble. Hein. Donc l'isolement, ça nous parle exactement de ça. C'est l'isolement dont vous avez besoin. Aller peut-être faire un voyage à l'extérieur du pays où personne ne va va être capable de vous contacter. Ni téléphone cellulaire, ni peu importe. Hein. Alors, vraiment de vous isoler tous les deux, que ce soit simplement une semaine ou deux, ou peu importe le temps que vous décidez, soyez complètement dévoué à l'autre. D'accord? Alors, vous avez besoin de cette solitude, d'être seul avec l'autre personne. Probablement que lors de ce voyage ou bien de cet isolement, hein, le fait que de passer du temps ensemble, vous allez probablement faire des projets d'avenir ensemble. Hein. On a la reine, c'est-à-dire on a l'impératrice ici. Alors, vous allez probablement faire des beaux projets d'avenir ensemble. Hein, voyez-vous? Dans d'autres tarots, la reine, je dis toujours la reine, en fait, c'est l'impératrice. Souvent, l'impératrice, elle a un sceptre comme celui-ci, mais qui part de son ventre pour aller vers l'extérieur du monde. Alors, ce que ça veut dire, en fait, c'est que l'impératrice, c'est quelqu'un qui est fertile, hein? C'est quelqu'un qui peut donner naissance à des bébés, des enfants, mais aussi à des projets. Alors ici, le fait de vous isoler ensemble, vous allez probablement faire des projets d'avenir ensemble, des choses qui sont vraiment importantes pour vous, que vous allez vouloir manifester hein, dans le monde ici, mettre au monde en fait des projets ensemble. Mais vous allez en discuter probablement
lors de votre petit voyage ensemble. Et aussi, bien, vous allez, en faisant ça, en vous isolant ensemble, vous allez nourrir la flamme. On a le l'as de bâton ici, un beau cadeau de la vie, hein. C'est le fait de nourrir la flamme, c'est le fait de garder l'étincelle vivante, hein, l'amour, la passion. L'intérêt l'un pour l'autre, hein. Alors, le fait de garder l'étincelle vivante, bien, c'est ça qui va solidifier en fait vos liens, votre lien ensemble, d'accord? Alors, c'est important d'aller vous isoler et de nourrir cette belle flamme d'amour qui est entre vous. Et quand je vous parlais tout à l'heure de surprise, hein, c'est que alors, je vais aller un petit peu à l'envers dans ce tirage pour que vous me suiviez bien, que vous compreniez bien ce que je veux dire. C'est que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est une surprise, que votre partenaire va probablement, lors de votre voyage ou en tout cas isolement, peu importe où vous allez, votre partenaire va probablement vous demander en mariage parce qu'on est en train de parler de lune de miel ici. En tout cas, si ce n'est pas le mariage, mais il ou elle va vous demander un engagement plus grand, c'est-à-dire soit le mariage, soit d'avoir des enfants, soit d'emménager ensemble, hein. Alors, ça va prendre une autre tournure. Et pourquoi je dis que c'est une surprise? J'ai tiré des cartes d'éclaircissement avec l'oracle Lumière et ce que j'ai eu, c'est la carte Travail. Alors, je m'explique ici. J'ai l'impression qu'on va vous faire la surprise parce qu'on va prétexter, prétexter, mais peut-être que ce sera vrai aussi, un voyage d'affaires, un voyage concernant le travail, dans lequel on veut vous inclure, c'est-à-dire qu'on veut vous emmener en voyage, en même temps faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'aller pour le travail et aussi pour avoir des moments seuls avec vous. D'accord? Alors, on va prétexter un voyage d'affaires ou on va profiter d'un voyage d'affaires pour vous demander en mariage aussi ou passer à un niveau supérieur dans votre relation. Alors, prétexter un voyage d'affaires et aussi, vous avez la carte de la justice. Alors, pour moi, la carte de la justice dans ce tirage, ça implique tout simplement justement l'officialisation. D'une union, d'accord? Alors de là la lune de miel. Alors ici on vient officialiser quelque chose. On vient peut-être vous demander en mariage. Vous allez peut-être même vous marier lors de ce voyage aussi. Alors c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une surprise qui s'en vient pour vous. Alors la lune de miel ici, les cartes pour éclairer aussi, c'est que justement, vous avez le chevalier de deniers qui s'est présenté. Le chevalier de deniers, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager. Une fois qu'il est décidé, il ou elle veut s'engager avec vous. Donc voilà ce que tout ce qui me permet de dire hein, qu'on va peut-être vous demander en mariage, c'est qu'il y a la justice, il y a le prétexte du travail et il y a aussi le personnage qui veut s'engager davantage avec vous pour vraiment vous unir, hein, pour donner une nouveauté à cet amour. Hein. On a l'as de deniers ici qui nous parle de nouveauté, qui nous parle d'amour aussi, hein, qui nous parle vraiment, c'est quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Alors, très belle carte ici. Et une nouvelle. Voyez-vous, le valet de deniers ici, ça nous parle d'une nouvelle. Une nouvelle concernant justement une nouveauté, c'est-à-dire une nouvelle énergie. Alors, on vient vous demander quelque chose ici, on vous apporte une nouvelle, on vous dit qu'on veut solidifier des liens avec vous, qu'on veut se marier avec vous, voyez-vous? Alors, voilà le tirage pour vous, ceux qui sont en couple déjà, mais qui ne sont peut-être pas mariés. Ceux qui sont déjà mariés, c'est tout simplement peut-être faire des vœux à nouveau, hein? Faire des vœux à nouveau. Si vous êtes déjà marié, peut-être qu'on va vous demander, redemander un mariage une autre fois.
D'accord, alors ça va vous permettre de vivre un petit moment spécial avec votre amoureux, votre amoureuse. D'accord? Alors voilà pour vous, mes chers lions qui sont en couple. Alors je retire les cartes de la table pour passer au tirage des célibataires. Donc je vais juste noter le timing. Et j'ai déjà tiré des cartes, bien sûr, pour vous également, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Pardon, avec ce fil. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Alors. OK. OK. Alors, les célibataires, vous avez un peu de travail à faire, hein? D'après ce qu'on me montre ici, ouais. Ah oh, oui. OK. Alors pour vous, mes chers célibataires, wow. Donc, pour les célibataires, les lions, alors les messages des anges de l'amour, on vous dit, laissez vos amis vous aider dans un premier temps. Ensuite, on vous dit, laissez partir votre ex. Et en troisième lieu, lâchez prise. Alors là, mes chers amis, lions, pardon. Le travail que vous avez à faire, c'est vraiment le lâcher prise. D'accord? C'est très clair ici dans votre tirage. Oh là là, OK. oui. Très clair ici dans votre tirage que vous avez peut-être besoin d'aide hein, pour vous aider à lâcher prise sur votre relation passée. Pour vous, actuellement, c'est très difficile de lâcher prise. Peut-être que vous n'acceptez pas la rupture. Peut-être que vous n'acceptez pas le fait que votre partenaire, votre ex-partenaire vous a laissé tomber ou peut-être c'est vous qui l'avez laissé. Mais quoi qu'il en soit, vous n'acceptez pas nécessairement la situation et vous avez du mal à passer à autre chose. D'accord? Alors ici, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ici, il faut faire très attention, mes chers lions. Quand on parle d'amis, on parle vraiment d'amis sincères, réels. On peut les compter sur les doigts d'une main, hein, les amis. Ce ne sont pas des connaissances. On vous parle d'amis qui vous connaissent vraiment et qui connaissaient votre couple auparavant, hein, la personne avec qui vous étiez auparavant. Ça sera très important de faire confiance à ses amis, pas à des connaissances, hein, mais vraiment à quelqu'un qui vous connaît profondément. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que peut-être actuellement, vous êtes dans le déni. D'ailleurs, on le voit ici. Vous êtes dans le déni. Vous n'arrivez pas à voir la réalité en face. Vous n'arrivez pas à voir la vérité non plus sur certaines choses de votre passé avec votre ex. Et là, ce qu'on vient vous dire, c'est que vos amis peuvent vous aider avec la papesse ici. À voir les choses beaucoup plus en profondeur, hein, de ne pas rester en superficie. Vos amis vont vous aider à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, d'accord? Vont vous aider à découvrir des choses aussi, des choses, des vérités cachées, hein? La papesse parfois nous parle de vérités cachées. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous n'êtes pas au courant par rapport à votre ex et vos amis vont vous aider à voir la vérité. Ils vont vous aider aussi à prendre le temps de vous intérioriser, de réfléchir à votre ancienne relation et de repartir à votre propre découverte, d'accord? Vos amis vous connaissent et peut-être qu'en ce moment, vous avez du mal à vous reconnecter avec vous-même. Et ça, vos amis vont vous aider à le faire. D'accord? Vos amis qui tiennent vraiment à vous vont vous aider à vous intérioriser, à prendre conscience de certaines choses, à mieux vous connaître, à chercher aussi à comprendre certaines choses. D'accord? Alors, laissez vos amis vous aider à ce niveau-là, vos vrais amis. Laissez partir votre ex, hein, on sent que vous êtes dans les regrets, dans les remords, ou bien vous êtes en train de faire votre deuil et vous avez du mal à faire votre deuil. Ici, le 5 de coupe vient nous parler du fait justement que vous avez du mal à faire votre deuil, mais que vous devez vous raccrocher. Vous voyez les trois coupes ici qui sont ternes, qui sont
renversé, mais de vous raccrocher aux deux coupes ici qui vous restent, hein, des belles choses qui vous restent dans la vie. Elles sont étincelantes, ces coupes, elles sont dans la lumière, elles sont droites. Alors, raccrochez-vous à ce qui vous reste de beau dans la vie. D'accord? Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être, pardon, votre travail, vos amis, vos enfants, si vous en avez, vos loisirs. Raccrochez-vous, votre famille, raccrochez-vous vraiment à ce qui reste de beau parce que vous devez vraiment tourner le dos à votre ancienne relation qui ne vous sert plus. Laissez partir votre ex. Il est temps, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, vraiment d'abandonner cette situation qui ne vous sert plus, qui ne vous rendait pas service et qui ne vous apportait rien de positif et d'édifiant. D'accord? Alors, tournez le dos à une situation qui ne vous sert plus, mes chers amis. Si c'est votre ex, c'est que quelque chose n'allait plus. Il y a des vérités même qui sont cachées ou que votre ex vous a cachées, que vos amis peuvent vous aider à découvrir. Alors, laissez-les vous aider et laissez-les voir la vérité en face pour pouvoir mieux lâcher prise parce qu'on voit ici réellement que vous refusez de voir certaines vérités. D'accord? Vous mettez un bandeau sur vos yeux pour éviter justement... de voir la vérité en face, vous restez dans une certaine indécision, vous avez de la difficulté à prendre vraiment la décision de laisser partir votre ex, d'accord? Alors ici, il y a des vérités qui vous sont cachées, qui peuvent vous être révélées, mais pour cela, il faut retirer le bandeau de vos yeux pour la voir, cette vérité. Et pour pouvoir aussi repartir à zéro, recommencer une nouvelle vie, manifester ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez tous les outils pour vous sortir de cette situation qui n'est pas bonne pour vous. Vous avez tous les outils pour repartir à neuf, pour attirer à vous quelqu'un qui va vous convenir à l'avenir. Alors, repartir à zéro, hein, ça vient vous dire ici d'utiliser ces outils-là. Alors, vous avez des amis sincères, vous avez la vérité qu'on peut vous révéler, vous avez la capacité de tourner le dos et de lâcher prise à une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir vraiment repartir à neuf ici, d'accord? Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et j'ai tiré des cartes d'éclaircissement avec l'oracle Lumière justement sur ce tirage et voyez-vous, ce qui m'a fait réagir tout à l'heure, quand j'ai retourné les cartes, c'est que des fois, ça me fait mal hein, de dire certaines choses, mais je me dois de les dire pour vous, pour être franche avec vous. Hein, les cartes ne tiennent pas compte des sentiments, mais plutôt vous disent des vérités. Alors ici, on nous montre que vous allez découvrir certaines choses sur votre ex, d'accord? Vous allez découvrir des choses qui ne sont pas nécessairement belles à découvrir. On va faire la lumière, vos amis vont vous aider à faire la lumière sur certaines vérités que jusqu'ici vous vous refusiez de voir ou bien tout simplement qu'on vous a cachées. D'accord? Et vous allez probablement découvrir que votre ex est plutôt votre ennemi, plutôt qu'un ami ou une amie, d'accord? Cette personne-là ne travaillait pas dans le même sens que vous. Cette personne-là n'avait probablement pas votre intérêt à cœur, hein, mais plutôt son propre intérêt. Et ça, vous allez le découvrir peut-être de façon durement, mais au moins, vous allez être plus à même de tourner le dos à cette situation si vous connaissez la vérité sur votre ex. D'accord? Alors, parfois, ce sont des situations très difficiles à vivre, mais ce sont des situations nécessaires aussi pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Tant et aussi longtemps qu'on se refuse de voir la vérité, c'est difficile de faire le pas pour une nouvelle vie. C'est difficile de lâcher prise, en fait. Alors, pour vous, mes chers amis, on vous dit... Le fait de découvrir que son ex, c'est notre ennemi, hein, c'est jamais facile, mais on vous dit ici, c'est important pour pouvoir vivre une nouvelle vie, partir à neuf, c'est très important pour vous, mes chers lions célibataires, de lâcher prise. Voilà. Alors, toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage, bien,
Laissez vos amis vous aider à voir clair dans tout ça et passez à quelque chose de nouveau, hein. Abandonnez cette situation. Ça ne vous sert plus. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour les énergies sentimentales du mois d'octobre 2019. J'espère que ça vous a parlé. J'allais dire que j'espère que ça vous a plu. C'est certain que certains tirages peuvent ne pas nous plaire, hein? C'est pas toujours facile à entendre, mais au moins ça vous aiguille, hein, sur la bonne direction à prendre. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner d'abord à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et sachez aussi que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Donc, si vous sentez le besoin d'avoir un tirage personnalisé, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors voilà, mes chers amis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. D'ici là, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Merci de votre habituelle écoute et au revoir.